Dans l'adversité, Luperno n'est pas seul. Si est-il une épreuve que la jeune femme aurait préféré ne jamais vivre. Le 2 mars dernier, son père a tiré sa révérence. Jean-Pierre Pernaud, qui souffrait d'un cancer du poumon, est décédé à l'âge de 71 ans. Une disparition brutale pour sa famille, même s'il était hospitalisé depuis quelques jours avant de mourir. On n'est en effet jamais prêt à perdre un proche, encore moins un parent. Luperno ne dira pas le contraire. Si elle peut compter sur la présence de sa mère, Nathalie Marquet tente également de faire tant bien que mal son deuil. Pire encore, tout les ramène à lui. Que ce soit le premier anniversaire de Nathalie Marquet sans son homme ou celui de Jean-Pierre Pernaud qui aurait dû souffler sur sa 72e bougie. Impossible de ne pas penser à cet être cher pendant ce qui aurait dû être de belles célébrations mais qui n'ont finalement été que de douloureux moments lors desquels leur bonheur passé a été ravivé. Alors pour faire face à cette terrible épreuve, Luperno peut également se tourner vers ses amis. Une en particulier, Élise Peraldi. Et le moins que l'on puisse dire si est que ces derniers temps, celle-ci a été d'un soutien indéfectible pour la grande sœur de Tom Pernaud. Tellement, qu'elle a tenu à adresser une tendre déclaration d'amour à son ami. Luperno, tu as réussi à me faire rire quand personne n'y arrivait. Ce mercredi 20 avril, Luperno a partagé sur son compte Instagram un cliché d'elle et de sa complice, visiblement pris à Calvi en Corse l'été dernier. Les deux jeunes femmes prennent la pose collées l'une contre l'autre et arborant un large sourire. En un an il s'est passé beaucoup de choses et tu as su être la meilleure des copines, estime la petite sœur de Julia et Olivier Pernaud. Et de poursuivre, tu as réussi à me faire rire quand personne n'y arrivait et tu as toujours été là, encore plus ces derniers temps. Je t'aime petite sœur. Des mots qui ont touché en plein cœur la principale intéressée qui a tenu à lui faire part également de son amour en commentaire de cette publication. Mon amour, je t'aime, lui a répondu Élise Peraldi. Une amitié qui lui permettra d'affronter toutes les tempêtes. Loading Widget.